Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera la deuxième partie du vidéo book haul. On va là, pour aujourd'hui, je vais vous montrer que du format poche parce que là, il y en a un beau paquet. Comme vous avez vu dans ma précédente vidéo book haul, il y avait un paquet de format poche et là, il y en a encore et encore. Et oui, je m'arrêterai jamais d'en récupérer, je sens. Parce que là, j'en ai un paquet à vous présenter. Bon, ben maintenant, tiens, on va y aller sans plus tarder, parce que voilà. Bon, ben non, on va enchaîner tout de suite. Alors, c'est un roman de Daniel Steele, c'est Traversée. On dirait un bateau de Titanic, en édition livre de poche, comme vous voyez là. Voilà. Plutôt cool. Je fais comme hier. Un autre roman de Daniel Steele, c'est Renaissance aux éditions Pocket. Tiens. Il y a des éditions J'ai lu, des éditions Pocket. Ah bon. Bon ben voilà. Plutôt cool. Encore un Daniel Steele. C'est le Clone et moi aux éditions Pocket. Plutôt sympa. Là, c'est un roman de Michel Fièvre. C'est l'affaire Elena aux éditions du Palémon. Palémon. Voilà. Plutôt cool. Caroline Thompson, si tu es si jolie ce soir, c'est un policier. Aux éditions J'ai lu. Voilà. Plutôt sympa. Là, un roman de Jasmine Creswell, c'est Le passé déchiré aux éditions Harlequin. Plutôt cool. C'est un best-seller en plus. Plutôt sympathique. Voilà. On enchaîne avec Rachel Butler. C'est Espionne malgré elle aux éditions J'ai lu. Plutôt cool. Je suis trop contente. Était tout ce qui est policier, thriller. Franchement, moi, c'est mon genre de roman favori. Voilà. On enchaîne avec 5 citadines branchées aux éditions Redress Ring. Voilà. Je sais pas ce que ça vaut. J'ai pris pour découvrir. J'ai lu le résumé, mais voilà. C'est juste pour découvrir. Voilà. Là, c'est les contes d'Anderson. Voilà. Il n'y a pas d'édition. Alors, je sais pas ce que c'est comme édition, voilà. Ça, c'est Lily et ses chèvres par Marguerite Tietbold. Ah oui, c'est une édition Bibliothèque Rose. Plutôt cool. Encore un Daniel Steele, c'est L'anneau de Cassandra aux éditions J'ai lu. Tain, décidément, tain, mais elle a fait beaucoup de maisons d'édition, Daniel Steele, entre livres de poche, J'ai lu, Pocket, tain, mais décidément, elle a fait beaucoup de maisons d'édition. Voilà. Plutôt cool. Mais il faudrait que je pose la question à ma mère, parce que ben, vu que c'est une autrice qu'elle connaît beaucoup, mais il faudrait que je lui pose la question. C'est pourquoi Daniel Steele a fait 3 maisons d'édition, parce que là, ça me paraît bizarre. Un roman de Jasper Ford, Délivrez-moi. Domaine étranger aux éditions 10-18. Voilà. Plutôt cool. Penny Jordan, L'amour blessé aux éditions Harlequin.
plutôt sympathique. Un bon petit best-seller. Voilà. On enchaîne avec Taylor Smith. C'est l'amour en otage. C'est un amour en otage. Harlequin, toujours un best-seller. Voilà, plutôt sympathique. Ah, mais j'en ai beaucoup d'un best-seller en gros. Putain, mais je me suis pas rendu compte, mais. Ouh. Attendez, je prends ça délicatement avant que ça se pète la gueule. Voilà. Alors, un roman de Philippe Jouanneda, c'est le Cosmonaute aux éditions Le Point. Voilà. Et en plus, ce livre, il est en super bon état, quoi. Il y a des livres dans les cabanes à dons. Il y en a qui sont dans des états un peu cornés, mais il y en a qui sont en état neuf, quoi. Franchement, ça fait plaisir. Voilà. On enchaîne avec Petitou et Mini Belle. Voilà. Regardez. Voilà. Il a bien vécu, hein, ce livre. Voilà. Il n'y a pas de. Non, ben, tant pis, hein, pareil, hein, ben, ce livre-là, ben, dès que je le vois en meilleur état, mais je le reprendrai. Petit. Pete et les beaux hommes étaient les bonhommes de la crèche. Voilà. Rouge et or, Delphine. Delphine. Ouais. Voilà. Plutôt cool. Et je verrai ce que ça donne. Là, c'est la sœur de Gribouille. Il n'y a pas de maison d'édition. Bon, ben voilà. Je vais voir ce que ça donne. Voilà. Et certains romans, moi, j'ai pris pour découvrir. Là, c'est Le Mystère des Sept Coffres aux éditions Bibliothèque Rose. Voilà. Là, c'est Runia, fille de brigand. Il n'y a pas de maison d'édition. C'est ma première bibliothèque. Voilà, c'est tout. Voilà. À découvrir. Mais je récupère tout ça, mais voilà quoi. Mais il y en avait certains, c'est pour découvrir quoi. Les sœurs Parker trouvent une piste aux éditions Bibliothèque Verte. Voilà, plutôt cool. Les étranges vacances de Michel aux éditions Bibliothèque Verte. Les petites filles modèles aux éditions de Coq d'Or. Voilà, c'est un tout petit livre. Comme vous voyez là, ce livre-là, il est tout petit, quoi. Tout mini minuscule. Ben, ce livre-là, on peut quasiment le mettre dans notre poche. Voilà. On enchaîne, toujours. Moi, je sais, là, moi, ça fait le deuxième mois que je fais fort, t'es là, mais faut que j'arrête d'en récupérer. Hein. Mais je vais vous le montrer quand je ferai amener une vidéo room tour de ma chambre. Alors là, c'est plus possible, quoi, mais il faut que j'arrête d'en récupérer, quoi. Parce que là. Séverine et Belle Sébastien aux éditions Bibliothèque Verte. Ah ben ça, ce livre-là, il va me plaire. Belle et Sébastien. Ah putain. Il faut que je me trouve la trilogie en Blu-ray. Ils en ont fait aussi en animé, en manga. Voilà.
Les Misérables par Victor Hugo, édition Bibliothèque Verte. Voilà. Ah, Les Misérables, moi, c'est toute ma vie, quoi. C'est trop bien, ça. Voilà. Les Misérables encore avec Victor Hugo, le tome 2. Plutôt cool. Voilà. Un roman conchalique jusqu'au bout de l'amour. Voilà. Voilà. Je sais pas ce que ça vaut, mais. Je récupère, mais voilà quoi, c'est bien de récupérer, mais faut voir aussi si le roman nous plaît, quoi. Les aventures de c'est les aventures de Peter Pan aux éditions Bibliothèque Rose. Plutôt cool. Alice au bal masqué aux éditions Bibliothèque Verte. Ah, j'en ai récupéré un paquet à la cabane à dos. Ah, c'est un Alfred Hitchcock. C'est le chinois qui reverdissait aux éditions Bibliothèque Verte. Plutôt cool. Les six compagnons et le château maudit aux éditions Bibliothèque Verte. Plutôt cool. L'Angelot suspecte aux éditions Hachette. C'est aux éditions Bibliothèque Verte. Voilà. Ah, je vous dis là, j'en ai récupéré, mais. Voilà quoi. Un roman de Camara Leigh, c'est L'Enfant Noir. Plutôt cool. La nouvelle série de Zorro. Une bande dessinée. Ah, mon roman préféré, c'est L'Hôtel Hanté. C'est un policier. Trop cool. Voilà. Virginie C. Audreuil, la famille Laudrey. C'est-elle un joyeux cachet? Voilà. Oliver Twist par Charles Dickens aux éditions Bibliothèque Verte. Marceline Lovelace, c'est l'alliance secrète. Voilà. C'est un gros roman historique. Voilà. Virginie C. Audrey les orphelins. Voilà, aux éditions J'ai lu. Ah oui, l'autre avait l'autre. Pareil, c'est aux éditions J'ai lu aussi. Hein, voilà. C'est Anne-Marie Cadeau-Colling. C'est le roman de Renard aux éditions Livre de Poche. Jeunesse. Voilà. Le petit cochon qui refusait d'être cracra. C'est bien sympa, ça. Une bande dessinée, c'est Safari. Voilà. Jasper Fleur de Sauvé Omelette aux éditions 18. 10-18. Voilà. La rave tient bon. Voilà. Monsieur Domelet sur le Mont Blanc. Aux éditions Hachette Bibliothèque Verte. Voilà. Le tome 1 et le tome 2 de était siège par Marie Lexter. Voilà. Le tome 1 et le tome 2. Ça, c'est la fille qui ne voulait pas se marier.
aux éditions Bayard Poche. Voilà. Les sept sorcières aux éditions Bayard Poche. Inspecteur Columbus aux éditions Bayard Poche. Mon Dieu. Ah mais là, ben... Un roman de Julien Grenu. C'est le Malfaiteur aux éditions Livre de Poche. 30 ans déjà aux éditions Pocket. Cassandre Bunchon, c'est... voilà, je vous montre aux éditions Livre de Poche. Voilà. Premier amour aux éditions Harlequin. Voilà. Donc, vous, un manga, le tome 1, voilà. Ça vient de Quick. Patricia McDonald, Sans retour aux éditions Livre de Poche. Thomas Raphaël, J'aime le sexe, mais je préfère la pizza. Jack Sparrow, Ford, Le Puits des Histoires Perdues aux éditions 10-18. Voilà. Le Pion du Roi aux éditions Harlequin. Voilà. En haut de la Liberté aux éditions Castor Poche. Voilà. Robert Marie Weekend, voilà. Aux éditions Folio. Bon ben c'est tout pour cette deuxième partie de vidéo Book Haul. On se retrouve pour une dernière partie de vidéo Book Haul parce que là il y en a beaucoup trop à vous présenter. On se retrouve lundi pour une dernière partie vidéo de Book Haul et on se retrouve lundi. S'il y a des livres que vous avez lus ou pas, alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Alors, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Et puis, ben, on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!